On oublie trop souvent que l'école est une chance. Dans certaines régions du monde, le chemin de l'école est un parcours du combattant et le savoir une conquête. Chaque matin, parfois au péril de leur vie, des enfants héroïques s'engagent sur le chemin de la connaissance. Ces écoliers sont les héros de leur propre histoire, de vraies histoires. J'ai lavé mon uniforme. Je peux vous aider à faire du charbon? Oui. Attends. Mets de la terre par là. Par là, voilà. Je vais plus vite que papa. Ici, là, non? Bye.
Donne-lui. Tiens. Et Salomé? Salomé, tiens, ton assiette. Allez, mangez les enfants. Mangez tout. Mangez les enfants, mangez tout. Ouais. Ça a l'air bon, j'ai faim. Toi, t'as tout le temps faim. J'ai faim. Salomé. Tu vas à l'école demain. Ouais. Tu connais bien le chemin. Tu sais qu'il y a des éléphants. Ouais, je sais, je sais. Je passerai par la rivière. Et après, j'irai tout droit vers la colline de la Roche Percée. Tu montes. Une fois tout en haut, tu regardes. Ouais, d'en haut, on voit s'il y en a. Ils sont en bas. Tu repères l'endroit où ils sont et tu les contournes. Ouais. S'ils approchent, tu t'enfuis. Ouais. Quand tu avances, regarde toujours autour de toi. Si tu passes par la rivière, que tu regardes d'en haut et que tu fais bien attention, ça ira. Je ferai attention. Ouais. On se dépêche, qu'on essaye d'arriver à l'heure. Oui. C'est moi qui fais la levée du drapeau ce matin. Il faudrait même que j'arrive en avance. Arrête, Salomé. Que vous arriviez sain et sauf à l'école. Oui. Que votre stylo soit béni. Qu'il vous apporte la réussite. Oui. Que mes enfants reviennent. Oui. Vaillants. Oui. Plus fort. Oui. Intelligent. Oui. Instruit. Oui. Vaillant. Oui. Plus fort. Oui. Intelligent. Oui. Instruit. Oui. Je vous bénis. Merci, papa. On y va, Salomé. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 5 fois 8, 40. 8 fois 1, ça fait 8. 8 plus 4, 12. 2 fois 9, 18. Plus 3. 5 fois 5, ça fait 25. Grand-mère, tu es réveillée. Bonjour. Que Dieu te garde. J'ai prié juste avant de venir te voir. Fais ta prière. Ma prière. Que Dieu accepte ta prière. Tu pars demain? Oui, demain très tôt. Laissez le bon roi en décider, s'écria le jeune garçon agenouillé devant le palais. C'est à lui que nous voulons parler. Mes compagnons et moi-même avons traversé le désert pour arriver jusqu'à lui. Dites-lui que son frère nous envoie, qu'il est toujours en vie et qu'il lui pardonne. T'as compris ce que j'ai lu? Toi, t'es pas allé à l'école? Non. Je suis pas allé à l'école. Je suis allé à la mosquée. J'ai appris auprès du taleb du village. Il nous apprenait le Coran. Le Coran et ses sourates. C'était ça, l'école? Oui, le Coran. Les gens instruits étaient à la mosquée. Ceux qui voulaient instruire leurs enfants les envoyaient à la mosquée. C'était un autre temps. À l'époque, c'était rare d'aller à l'école. Mais heureusement, les choses changent. Étudie, apprends pour ne pas être comme nous. Tu comprendras mieux la vie, tu seras instruite. Tu deviendras comme toutes les filles de ta génération, quelqu'un d'instruit. Inch'Allah.
سامحي يا امي حنا سامحي سامحي وجهي نفتح عفر وادعي الصديق نرى الخليج ان شاء الله نرى الظن ان شاء ادي غيمون ان شاء الله سامحي يا امي حنا سامحي سامحي Tu prends la route demain matin ? Mm. Ne couche pas trop tard. Essaye de te coucher tôt et de te reposer. Tu commences à quelle heure demain ? 10h. J'ai cours de 10h à 18h. Dans la vie, il n'y a rien de plus important que l'école. L'instruction. Tu as la chance de pouvoir y aller. Mm. Il faut que tu sois sérieuse. Et tu réussiras, si Dieu le veut. Inch'Allah. Que Dieu t'aide. Qu'il te donne la force de mener à bien tous tes projets. Inch'Allah. Noura aussi y va. Elle part avec Noura et Zineb. Ouais. Que Dieu nous protège. Il veille sur toi et t'épargne. Elle est intelligente, elle réussit. J'espère même que tu seras la première de la classe. Inch'Allah. Zahira. J'y vais, papa. Ma fille chérie, le bon Dieu soit avec toi. Sois prudente. Étudie, travaille bien. Bonne chance. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Allez. C'est là-bas. Les éléphants sont là-bas. Enfin, le plus souvent. Parfois, ils sont un peu plus haut par là, ou complètement à l'opposé. Je vois rien. Une fois, j'en ai vu, tout au fond, là-bas. Ils sont où ? Aujourd'hui, ils sont là. Tu vois, en bas, devant nous, là. Au milieu des acacias, il y a un arbre un peu plus gros que les autres. Ils sont cachés, là. Regarde, on les voit bien d'ici. Tu les vois ? On est obligé de passer par là aujourd'hui. On va couper tout droit en faisant attention. Ça va aller. Heureusement que t'es là, j'aurais peur tout seul. On a fait ce qu'on a pu. C'était dur. Allez, on y va. Ouais, faut y aller. J'ai pas les chaises devant. C'est quoi cette poule ? Zahira ? Hé, Zahira ! C'est drôle avec ta poule.
elle m'énerve, je lui tords le cou, elle est prévenue. Ma tante est venue nous voir ce week-end. Ah oui, ta tante. Elle se marie une fois d'année. Ouais, elle est prête. Bonjour. Récupérer les petits. Ressemble celui-là. Prends ce ruban, Carlito. Tu le déposeras sur le chemin de l'école demain. Il vous protégera. Prends-le, tiens. Merci. De rien. Carlito, qu'est-ce que tu as comme matière ce matin? Anglais. Et les tables de multiplication, tu les connais? Oui, je les connais. Attention, je veux pas de mauvaises notes. Dépêche-toi, Mika. Tu vas être bien sage à l'école, hein? Oui, maman. Et tu découvres pas, il fait encore froid le matin. Mmh.
Au revoir, mon fils. Au revoir. Sois prudent, fais attention à ta sœur. Dépêche-toi. Allez. Par ici. C'est bien, Chivelito. Fatigué? Très. Et oui, c'est ça quand on veut vraiment étudier. Faut s'accrocher. Y'a rien de plus dur que d'étudier. Eh ben... Très mal aux pieds. Oh, c'est pas vrai. Regarde où elle est. Elle dort ou quoi? Noura, dépêche-toi. Elle est fatiguée. Moi aussi, d'ailleurs. On est toutes fatiguées.
pas que j'arrive en retard. Je sais, faut surtout pas que j'arrive en retard. Pas ce matin. Laisse-moi monter devant, sois gentil. Non, maman veut pas. Samuel, maman vient te chercher. Cette fois, il est l'heure de rentrer. T'es content? T'as vu la mer? Tu veux revenir demain? J'aimerais bien. Ouvre la main, tends les doigts. Voilà. C'est douloureux. Hein? Encore étire ta jambe. Ne penche pas la tête, tu vas te coincer un nerf au niveau du cou. Non, garde la tête droite. Ne tourne pas. Garde la tête droite, je te dis. Droite. Ne tourne pas, je vais te masser encore un peu, d'accord? Bouge plus, c'est presque fini. Reste comme ça. Sois courageux. C'est presque fini. Quelques minutes et c'est fini. T'auras plus mal après, tu le sais.
Tu le sais. Hein? Le poète était très pauvre et il savait que seul le roi pouvait l'histoire. Aider. C'est l'histoire d'un poète, il a besoin d'aide. Mais la seule personne qui puisse l'aider, c'est le roi. Alors il décide de lui écrire une lettre tout en vers. Un magnifique poème. Et le roi est tellement subjugué par ce qu'il lit qu'il récompense le poète et le nomme gardien de la langue tamoule. Je parie que je vais encore gagner, tu vas voir. Oh. Ah. Encore un coup et t'es éliminé. Attention. Je vais t'éliminer, tu vas voir. Ah. Ouais, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ouais, ouais, ouais. Traînez pas, j'ai pas envie d'arriver en retard à l'école. Si seulement je pouvais avoir de l'argent, je voudrais gagner plein plein d'argent. Je m'achèterai un camion et j'aurai jusqu'à 2 lits. Quand on gagnera de l'argent, on pourra s'acheter tout ce qu'on veut. Comment on fait pour gagner de l'argent? Il faut travailler. Mais là, on est trop petit pour travailler. Emmanuel, Gabriel, dépêchez-vous. C'est le moment de partir. On tourne. Doucement. Tu tires. Gabriel, te blesse pas avec le fauteuil. T'inquiète pas. Emmanuel, tu restes devant. Emmanuel, tu restes devant, d'accord? Doucement. Doucement. Ah, attendez, attendez. Quoi? Allez, redresse-toi, ce sera mieux. Hein? Oui. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Ah, soyez prudents. Allez. Emmanuel. Oui. Occupe-toi bien de ton frère. Travaillez bien. Au revoir. C'est là que t'as mal? Oui, là. Je vais te masser, hein, ça fait mal. T'inquiète pas. Merci. On va t'aider, on est là. C'est rien. On n'est plus très loin, heureusement. Tu vas faire un effort. Faut être courageuse. Avancez. Il y a quelqu'un qui arrive. On va voir s'il peut nous aider. C'est un multi. Attendez. Monsieur, vous pouvez peut-être nous aider. Vous allez aider jusqu'où? Ma pauvre, et moi, qui c'est qui va m'aider? Je peux rien faire pour toi. En maintenant, vous allez je suis où déjà en retard. Est-ce en que vous... je te dis, je peux rien faire pour toi. Faut pas m'en vouloir, ma fille. Je peux rien faire pour toi. Je ne peux pas. Comment on va faire? Bon, bah, c'est pas notre jour de chance, les filles. Allez, tu peux y arriver. Fais un effort, on n'est plus très loin. Tu t'es reposée. Ça va mieux? Oui, un peu. Tu vas pouvoir marcher? Oui. Et puis, on va t'aider avec Zahira. On est là. Essaie de remettre ta chaussure. Ouais, vas-y. On y va. Oui, allez, on va vraiment être en retard si ça continue. On a perdu trop de temps.
pas facile. C'est trop compliqué pour nous. Qui a dit que c'était facile d'étudier? J'ai envie d'arrêter. Ah non, non. L'école est une bonne chose. Une bonne chose. On est presque arrivé à la route. Il y a des éléphants. Oh, merde ! Vite ! Reste près de moi. Saute ! Oh, ça me met ! Relève-toi ! Ramasse ton bidon. Sur le terrain plein de boss. Faites attention, on est déjà tombé ici. Commence par lever les jambes, ça ira mieux. Pourquoi tu parles de tomber? Fais attention. Oui, mais on est déjà tombé ici. Tire, tire. Attention, doucement. Lève les jambes, t'auras moins mal. Les bosses partout, n'allez pas trop vite, on va encore tomber. Oh. Je suis qu'on est tombé, je vous rappelle. Ce jour-là, il y avait des vaches qui nous ont attaqués. Je sais pas ce qu'elles avaient. On faisait la course et elles nous ont attaqués. Doucement, s'il vous plaît. Doucement, doucement. Doucement, attention, mes jambes. Enlève la poussière de tes vêtements. Il faut prendre soin de tes vêtements. Si tu veux pas que les autres se moquent de toi. Pour te remonter le moral. Elle est bonne, elle est très sucrée. Elle est bonne, elle est bonne. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele. Oh yeah.
Ils ont invité tout le village. Moi, je sais avec qui Zahira va se marier. Tu rêves. Il va venir te demander. Tout le monde dit qu'il est gentil. Aujourd'hui, on risque d'attendre longtemps qu'une voiture passe. Faut dire qu'on a traîné. Oh, t'inquiète pas. C'est sûr, à l'heure qu'il est, les voitures sont déjà passées. Mm. Pourvu qu'il y en ait une qui arrive. T'inquiète pas pour ça. On a perdu trop de temps. Des voitures, il y en a toujours. On va arriver en retard. C'est parce que j'avais mal aux pieds. J'espère qu'elle va s'arrêter. Fais-lui signe. Pourvu qu'il l'accepte. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous emmener à Asni, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous allez faire à Asni, hein ? On va à l'école. Non, 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 tu crois que j'ai que ça à faire, moi ? Non, non, je prends personne. On n'a pas de chance. Je sais pas comment on va faire. Il est tard, t'entends le médecin ? Ouais, j'ai entendu. Je vous l'avais dit. Il aurait fallu arriver plus tôt pour être sûr d'avoir un moyen de transport. Bon, bah, on va être en retard, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Voilà un camion, il va peut-être accepter de nous prendre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous emmener à Asni ? On va à l'école. Non, je prends pas d'école, allez, j'ai pas le temps. On n'en peut plus d'attendre ici. Vous attendez depuis longtemps ? Oui. D'accord, très bien, montez. Mais derrière, hein, derrière avec les moutons. Allez, montez. Viens là, montez. Et accrochez-vous. Viens là, Noura, viens. Mets-toi à côté de moi. Vas-y, patron. Quand je pense au multi qui a refusé de nous aider, c'est à cause de lui, tout ça. On peut vraiment rien demander à personne. Tu seras plus grand ? Bien sûr que je voudrais voyager plus tard. En train ! En train ! Tchou 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 tchou. Pas le train. Je crois qu'il va en Amérique. L'Amérique, c'est super. Il peut jamais aller là-bas. Tu dis que le train va en Amérique, c'est ça ? Ouais. Hein ? Ouh. Un grand voyage d'Amérique. Tchou tchou. Combien de temps il faut pour y aller ? Une heure. Au moins une heure. Ce train, il va où ? Oh, celui-là, il va en Afrique. Le train de l'Afrique, mais combien de temps ? 5 minutes. Ah, en 5 minutes, t'es en Afrique ? Ouais, en 5 minutes, t'y es. Il y a un camion qui bloque le passage. Je sais pas comment on va faire pour passer. Camion devant, c'est ça ? Ouais. Vous pensez qu'on pourra passer quand même ? On va voir. Le camion est en panne. S'il vous plaît, on veut pas être en retard. Vous allez à l'école, les enfants ? S'il vous plaît, monsieur, on va être en retard. Les gars, les enfants ne pourront pas passer, il faut qu'on les aide. Allez, venez. Vous voulez qu'on le porte ? Hein ? Anana, oui. Viens m'aider. Comment tu t'appelles ? Samuel. Samuel ? Tu es à quelle école ? Feria Patinam. Et eux, ce sont tes frères ? Oui. On tourne ? Oui, vas-y. Ouais. Tu es en quelle classe ? En sixième. Ah, tu es en classe de sixième ? Oui, ah. En sixième. C'est bien d'aller à l'école. On te laisse là. Voilà. Merci, merci. Allez, faites bien attention. Hein. Au revoir et au revoir. Merci. Au revoir. Soyez prudents. Au revoir, messieurs. Au revoir, au revoir. Mais en tout, il ne faudrait pas y passer la journée. Hein. Oui. On a eu de la chance, ces gens étaient très gentils. C'est un camion comme ça que je veux plus tard.
va trop vite, Jackson. Attends-moi, s'il te plaît. C'est moi qui dois lever le drapeau. J'en sais rien, j'ai cru que ce serait plus facile par là. Celui qu'on prend d'habitude, le chemin du haut, c'est celui-là le plus facile. Ça va. Si vous continuez comme ça, on va être en retard à l'école, arrêtez de vous disperser. C'est à cause d'Emmanuel, il a toujours bonnes idées. J'ai pas assez de force, moi. Pourquoi t'as voulu passer par Allez. Là On peut pas avancer. Allez, pousse. Encore un peu et on sera sorti. Courage, Gabriel, on est presque sorti. Ça y est, on c'est y est grâce à moi. C'est moi le plus fort. Je prends l'élan. Allez, t'arrête pas. Continue d'avancer. Sinon, on va être coincé. Allez, plus vite. Ça va, t'arrêtes pas. Allez. On est réussi. On y va. C'est bon, ça va être dur. Allez, en avant. En avant. Ah, pousse. Lâche pas. Bon, Emmanuel. Pousse. Pousse. Encore un peu. Bravo. T'as vu la pierre qu'il y avait? Carlito, laisse-moi conduire, sois gentil. D'accord, mais surtout, tu dis rien à maman. Non, je dirai rien. Doucement. Tiens bien les rênes. Bonjour. 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 Ça va? Ça va et toi? Salut. Salut. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Vous avez attendu longtemps? Non, pas trop. C'est rare que vous arriviez les premiers. On est partis très tôt. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Moi, j'ai aidé mon père. Et moi, ma mère. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
التحيات لله زكيات لله ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله آمين حميد مجيد السلام عليكم السلام عليكم Un pneu, les gars. Il est crevé, c'est pour ça qu'on a du mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pneu crevé? Le fauteuil est complètement cassé. Il faut faire quelque chose, on peut plus avancer. La chambre à air sort du pneu. On peut rien faire. Si, il faut faire quelque chose. Mais pas maintenant. Bon, alors tire plus fort, tire plus fort. Tire de toutes tes forces. Attends, faut le remettre. On va pas pouvoir aller à l'école si c'est ça. Allez, on allez, faut tirer plus fort. On va essayer d'avancer quand même. Oh, oh, fonce, Gabriel. Oh, c'est trop dur. Allez. Oh, et voilà, le pneu est sorti. T'y arriveras pas. Non, t'y arriveras pas, c'est cassé. Oh, arrête, c'est pas la peine, t'y arriveras pas. Lève-le un peu. Oh, qu'est-ce que vous faites? T'inquiète pas, c'est un fauteuil. Il faut trouver un garage ou un magasin. Il y en a un plus haut, c'est tout droit par là-bas. Tiens. Oh, il manquait plus que ça. Elle est bien abîmée. Elle est toute rouillée. On recommence. Allez, on joue en attendant. Gagné. Ah. On recommence. D'accord. Attention, je suis prêt. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fauteuil? C'est pas vrai. Ouais. Vous l'avez fait rouler où? Faut y aller doucement. Si vous faites pas attention, c'est un peu normal.
tu triches. Raté. Raté. Je suis plus fort que toi. Je suis plus rapide que toi. Il y a un rayon tordu là aussi. Juste là. Oui, j'ai vu, je vais le remettre. Ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, tu fais la même grimace avant de taper. Une grimace? Tu fais ça, c'est comme ça que je devine que tu vas taper. C'est de la triche. Ça y est, vous avez terminé? Oui, ça y est. Merci, monsieur. De rien, faites attention. Merci, au revoir. Au revoir. Pousse, Emmanuel. Il faut allez-y tourner. Doucement. Il va être en retard, c'est sûr. Au revoir les enfants, soyez prudents. Ça vous intéresse de m'échanger ma poule? Je voudrais prendre des gâteaux si c'est possible. Je peux la voir? Oui, oui, tenez. Et t'en veux combien? 800, ça vous va? 800? Oui. D'accord, je la prends. Je te fais un mélange de tout? Oui, mettez-moi... Je te mets un peu de chaque. Oui. Je te fais un bon mélange. Ajoutez un peu de cela. Oui, un peu plus. Tiens. Bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt. Elle va nous manquer, ta poule. Allez-y, je vais poser le sac et je vous rejoins au dortoir. Il faut se dépêcher. Il n'y a plus ça, Nora. Ouais, je vais me changer. En vitesse. Il n'y a plus personne. Je vais changer de chemise. Allez, venez, les filles. Viens, Nora, on va arrêter le début du cours. Salut.
faut que tu sois beau. Arrête, voilà. On a assez perdu de temps, elles sont tous dans la course. Si ça continue, on va être en retard. Tu veux qu'ils soient en retard? T'es beau comme ça. Ça suffit. Ah. Arrête, Gabriel, faut y aller. Arrête, laisse-le tranquille, maintenant il va être en retard. Merci, à ce soir. On viendra te chercher après l'école, comme d'habitude. Ça va? Ouais. Travaillez bien, à ce soir. Ils sont là, ils sont tous là. Ah, Samuel! Ça va? Na yote msa atumba kumbariko, Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa msa ya kwa kitu. Le temps passe trop vite, les heures filent, c'est la vie. La vie passe vite aussi, regarde le week-end, ça passe une vitesse. C'est pas facile d'arriver à l'heure le lundi. Faudrait partir quand il fait encore nuit. J'aurais pas le courage. Non, j'aurais pas le courage. C'est sûr, moi, heureuse comme t'es. Toutes les copines sont là. Sauf Feriel, ses parents veulent toujours pas qu'elle aille à l'école. La pauvre. On commence par les maths, c'est ça? Alors comment ça s'est passé ce matin? On a perdu un pneu en route. On a dû faire réparer une roue de mon fauteuil. Et comment vous avez fait avec un pneu en moins? On l'a fait réparer. Allez, attends. Bien. Qui peut me dire ce qu'on appelle le système de traite? C'est la manière de traire les animaux? Oui. Carlito, tu devrais pouvoir répondre. Explique-nous quelles sont les étapes de la traite. Avant tout, il faut que le puits de lavage soit bien nettoyé. Et ensuite, il faut tirer un premier jet et là, on commence la traite. Et la personne qui traite manuellement, ses mains, il est important qu'elles soient... propres. Bonjour les enfants, ça va? Oui, ça va. Bonjour professeur. Des absents aujourd'hui? Tout le monde est là. Parfait, asseyez-vous. Je vous remercie de faire l'effort d'être là. Je sais que ce n'est pas facile. Le chemin est très dangereux. Dangereux à cause des éléphants. Surtout pour Jackson qui vient de très loin. Ce n'est pas simple pour vous de venir à l'école. Mais Dieu merci, aujourd'hui il n'y a pas eu d'accident. Dieu merci. Je suis très content que vous soyez tous là. Alors maintenant, sortez vos affaires et mettez-vous au travail. Les cahiers sont ouverts. Vous avez vos stylos. Commencez l'exercice. Répétez. Théorème. Celui de Pythagore s'applique au... rectangle. Quelqu'un se souvient de cet axe dont je vous ai parlé la dernière fois? L'axe de symétrie. L'axe de symétrie. L'axe voici de symétrie. Un rectangle. Observez les côtés opposés. Les côtés, côtés parallèles. Sont de même longueur. Ils sont de même longueur. Maintenant, quelle est la différence avec cette autre forme? C'est un carré.
c'est un carré. Quelle est la différence avec le rectangle? Les côtés sont... On dit qu'il a quatre côtés égaux. Et puis, un angle droit, deux angles droits, trois angles droits, quatre angles droits. On a quatre angles droits. Est-ce que le rectangle aussi a quatre angles droits? Oui. Ses formes géométriques sont... Plus tard, je vais avoir une bonne situation. Je voudrais faire quelque chose de bien. D'habitude, on n'en voit pas à l'école des enfants comme moi. J'ai beaucoup de chance d'être là. Il y avait une fille qui était dans ma classe, une fille vraiment intelligente. Elle n'était pas handicapée, elle était douée, elle avait tout. Et ses parents ne veulent plus qu'elle étudie. Elle venait d'une famille très très riche. Alors que ma famille est très pauvre. Et ils m'envoient quand même à l'école. Je me dis que je dois bien travailler. Plus tard, quand je serai instruit et que j'aurai de bons résultats, je changerai d'école et je continuerai à étudier. Et quand j'aurai fini mes longues études, là, je serai sûre d'avoir un bon travail. Alors je pourrai vivre mieux pour aider ma famille. Et c'est tout. Quand je serai grand, je voudrais continuer à vivre sur la terre où je suis né. Rester ici, sur les terres de ma famille. Et j'aimerais être vétérinaire. Oui, j'ai déjà choisi le métier que je voudrais faire plus tard, c'est maîtresse d'école. Être médecin, oui, j'aimerais vraiment être médecin plus tard. Aider les autres, aider et soigner les gens malades partout. Surtout les gens démunis, ceux qui n'ont pas accès aux soins. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que dans les régions isolées, dans les villages de montagne, les filles qui veulent étudier puissent toutes être aidées pour qu'elles renoncent jamais à étudier. Moi, je fais souvent le même rêve. Et ce rêve, c'est de devenir pilote et de voler, d'aller très loin. Je me vois survoler la nature, visiter d'autres pays et aller voir les lacs, les plus hautes montagnes, plein de choses. Ouais. On arrive sur Terre avec rien et quand on meurt, on n'apporte rien. Ça, on doit jamais l'oublier. Quand je serai grand, je voudrais être docteur. Aider les enfants comme moi à marcher, c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite. C'est mon but, c'est ça. Mon rêve. Thank you.
Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Yesu ni wangu, uzima wa milele. Uzima wa milele, uzima wa milele. Yeso ni wangu uzima wa milele. Yesu ni wangu uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Nawasaya.